Les peuples haïtiens et pays, nous avons pris la responsabilité. Nous avons dit depuis bien avant, si nous avons campé gardé, nous avons arrivé là côté de nous. En pile monde pas de comprendre. En pile monde pas de tendre raison. Jodi, nous arrivons dans le mur. Jodi, tout le monde vient rendre compte. Ça peine que nous avons dit depuis. Plus passé 10 mois que Ariel Henry n'a ni volonté ni capacité, il n'est pas capable d'adresser les vrais problèmes pour apporter des solutions pour les haïtiens. Tout le monde fait comme si il n'y a pas de. Et je dis, nous finissons. Je dis, si mon petit va évanouir. Je dis, vieillard va évanouir. Je dis, mon qui employé qui travaille dans l'État va évanouir. Je dis à la police, policiers, vit tout menacé, vit tout en danger. Pas de monde qui va menacer, je dis à nous, même qui dans la presse là, nous sommes là, pas de nous, il n'y a pas de qui d'appeler nous. Tout le monde a crié, je dis à tout le monde qui est frère, qui est soeur, qui est matin, qui est cousin, cousine, qui est condisciple, je dis à tout, il y a une façon ou bien l'autre, il y a plein, il y a crié, il faut que je vienne l'argent prêter, puis il y a payé, il y a une première rançon. Yon deuxième, yon troisième pour kidnapping. Alors que nous-mêmes, nous peine, nous dit, il faut que nous campions ensemble pour frapper le phénomène ça. Nous, le gouvernement, pas capable. Nous, l'équipe monde qui pas capable. L'équipe qui est là, ça ne veut dire rien pour vous. Massacre, c'est soleil. Massacre, la plaine. Massacre, plusieurs côtés dans le pays, ça ne veut dire gouvernement rien. Mais depuis que monde qui tombe dans le pays étranger, pays ne s'inquiète pas. Encore pire! Il y a un tribunal de première instance de Port-au-Prince depuis plus passé un mois à quelques mètres du bureau premier ministre. Il va au point. Le pays ne sait pas qu'on est, le gouvernement ne pas qu'on est et rien n'est pas fait. Je dis à nous, après toute considération, ça, après tout constat, ça, misère, gang, chômage, kidnapping, insécurité, violence, sous petit fille, sous gros frère, peine, vient demander le pays ici encore. Levez campé. Levez campé tout partout. Le nord, le sud, plateau central, la Antibonite, l'ouest, pour ne citer ça seulement. Levez campé, je dis à même. Et levez campé sans prendre souffle. Nous ne pouvons pas lever campé pour peine. Nous ne pouvons pas lever campé pour le monde. Nous ne pouvons pas lever campé pour le parti politique. Mais nous pouvons lever campé pour tête nous parce que nous tous menacés. Mourir à genoux, c'est mourir, mourir. Mourir couché, c'est mourir, mourir. Mourir sans parler, c'est mourir, mourir. Camper pour nous mourir debout. Camper pour nous mourir avec bâton nous dans nous pour nous sur le champ de bataille. C'est dans le champ de bataille pour nous mourir. Nous allons croiser pour nous. Il y a venu tuer nous. Il y a kidnappé nous. Il y a violé nous. Il y a tué nous. Deux fois, il y a demandé nous bagaille. Nous ne pouvons pas compter dans la vie nous. Grand-grand parent nous. Petit, petit, nous ne pouvons pas compter. Il y a demandé nous. Quand est-ce que nous venons? Il y a des gens qui se restent à tuer nous. Combien de monde qui fait crise tension aujourd'hui? Combien de monde qui fait sucre aujourd'hui? Combien de monde qui fait sport aujourd'hui? C'est Jean de Dagaï Sayo. Eh bien, quelle soit la façon dont nous mourir, eh bien, aujourd'hui, si nous ne pouvons pas marcher la journée, nous ne pouvons pas dormir la caille, nous ne pouvons pas prendre nous. C'est mourir, mourir. Nous voulons demander tout le monde pour lever le campé. Lever le campé aujourd'hui même. Tout taxi moto, tout chauffeur machine, tout ouvrier, police nationale, la vie campé. Trois policiers mourir. Trois personnes n'ont pas qu'à mourir. Trois médecins kidnappés. Si les médecins n'ont pas campé, ça veut dire qu'ils sont insensibles. Si la police nationale n'a pas campé pour frère, qui a assassiné chaque jour, bon, nous même en peine, ça révolte nous. Nous même en peine, nous frustrés. Jean nous les policiers ont tombé. Et c'est ça que je dis, nous demandons des policiers nationales à côté coller avec peuple. Côté coller avec tout le monde qui a manifesté aujourd'hui. Pour finir avec l'équipe Ariel. Sans pitié. Sous-sous pendant ça, parce que pendant que vous avez un bon lavé de l'anglais sous, qui va jouer un bouquet boissant. Comme vous avez fait une caricature, vous avez montré que le premier ministre a un bol sans la boue, la prend plaisir dans le bol sale. Mais je dis, nous prenons l'équipe Mounsayo, les ouessants, qui sont contents. Mais nous-mêmes, les ouessants, qui sont tristes, nous affligés. Nous-mêmes, je dis, nous n'avons pas de bouche pour parler. La caille, nous ne pouvons pas dormir ni manger parce que trop ça coule. Nous demandons la police nationale là. Poté collé avec les haïtiens. Pour au fond seul, jeudi, demain, samedi, dimanche, lundi, pour nous débarrasser pays
de Ariel Henry, qui représentait un obstacle majeur dans la vie peuple haïtien, qui représentait pour nous-mêmes les 10 plaies de l'Égypte sous le peuple haïtien. Je crois que pourquoi nous ne pouvons pas faire, c'est ça que nous invitons tout notre groupe. Tout notre groupe, quel que soit le nom de poté, ou de maintenant pouvoir, nous dire, il va trop tard pour jouer un pardon. Parce que là on doit, là on gauche, tu jouer un pardon à la dernière, là on doit te jouer un pardon. Dans la dernière seconde à la fois, eh bien, ou même bien dans pouvoir désolidariser, qu'on y a même. Désolidariser pour montrer que vous comptez le peuple a existé et vous voir que le peuple a eu fait de temps. C'est dans ce sens ça, nous demandons mobilisation générale dans toute commune, dans tout département. Barrière en haut, barrière en bas, nous avons fait ça jeudi, vendredi, samedi, dimanche, jusqu'à ce que la communauté internationale qui mettait. Premier ministre est là avec le gouvernement, là, parce que ce n'est pas le peuple haïtien qui met, ce n'est pas nous qui met, nous allons connaître lui, qui est venu prendre, et puis nous chita ensemble, et puis nous avons un vrai consensus là, pour un gouvernement de consensus qui va venir chita, qui est au service et à l'écoute, qui va adresser les vrais problèmes, et puis pour nous porter solution à la question kidnapping, grand bout de chômage, misère et sécurité qui est là. Merci à vous.